Wall-Aim Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-Aim Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Allez, bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde et rebonjour, je suis excessivement content d'être avec vous. Chers téléspectateurs, vous avez été vraiment nombreux finalement à regarder la première capsule qu'on a faite cette année. Ouf, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Bon, hein, yes. Alors, je continue un peu dans mon idée cette année de vous dire qu'on va se faire du coaching interactif. Vous allez voir, ça va être vraiment super le fun. Tout est correct, monsieur le caméraman, vous avez l'air incrédule. Non, non, mais vous ne me parlez pas comme ça. Écoutez, là, moi, je ne peux pas refaire les choses deux fois. T'sais, c'est pas parce que vous avez une belle paire de pantalons et un beau bus que je peux pas vous reprendre. Quand même, c'est bon? Est-ce qu'on est correct? Oui. Parfait. Alors, c'est bien important parce que monsieur le caméraman dans la technique faut qu'il me donne. Yes. Bonjour monsieur le régisseur, ça va bien? Bon matin, oui. Hein? Ben oui, on est encore de retour, effectivement. Ben écoutez, vous êtes payé, donc. Oui, mais bon, c'est parce que monsieur le régisseur s'est fait faire une cabine pressurisée, tout simplement, dans laquelle il est enfermé, scellé, sous vide, compressé. C'est comme une genre de chambre anti-bord, mais ça devient une genre de chambre anti-intelligence. Donc, quand on le met là-dedans, il devient un syndiqué socialiste du peuple et il ne comprend plus rien. Alors à chaque fois, c'est un yes man. À chaque fois que François Legault dit une connerie, il dit yes man. Yes man, yes man. Il se pose même plus de questions. Hein? Et voilà. Donc, alors, bien le bonjour quand même. Je vais vous saluer, même si vous êtes, mon Dieu, à l'aube de l'imbécilité. Vraiment, je vous dirais, mon Dieu, intergalactiquement non connu et jamais prouvé. Vous êtes vraiment un phénomène dans votre genre. Alors, on l'apprécie quand même. Bien le bonjour. OK, parfait. Donc, on va commencer avec les formalités usuelles. Si vous avez des suppléments à vous acheter, vous êtes en Europe, vous allez voir Frank Allegra. Département 05 dans les Hautes-Alpes, vous allez voir Frank et Julien Cabanel qui me coupe les cheveux comme un enragé. Parfait, yes. Vous avez des vêtements à vous faire faire, allez chez Valin. Puis vous êtes écœuré de ne pas être capable de vous habiller sur le sens du monde. Valin Confection, ça fait des belles jobs. Allez voir Simon, c'est un pro, ça va lui faire plaisir. Puis je peux vous dire une chose, lui, ça a été très difficile avec son chiffre d'affaires l'an dernier, entre autres. Tu sais, c'est un gars qui fait, exemple, toutes les balles de finissant, toutes les graduations, tous les mariages. Commencez-vous à allumer que ce gars-là n'a perdu du chiffre d'affaires, là? Parfait. Alors, quand vous voulez vous faire faire des vêtements puis acheter, bien, à place d'aller vous acheter des cochonneries dans des grosses firmes, dans des magasins connus, des chaînes mondialement connues, hein, à place d'aller encourager des gros comme ça, on peut aller encourager justement des tout petits, puis des tout petits comme moi, finalement, qui vous donnent un bon service, puis qui s'occupent de vous, qui vous respectent comme client, puis qui vous aiment, puis pas du monde, hein, tu sais, comme quand je m'en vais chez Costco, hein, de voir, là, l'épais, là, de syndiqué qui se promène avec son panier respecté le 2 mètres. Là, que t'as rien que le goût d'aller crisser ta dinde congelée d'en face, là, parce que c'est un esti d'innocent. Excusez, ça me prend au cœur un petit peu. Je trouve ça tellement débile. Là. Tu le vois se promener, tu fais comme non, il est pas sérieux. Là. Il y a quelqu'un qui est payé pour se promener avec ça. Hey, j'aurais honte. Hey, je sacrerais ma job, là. Je serais pas capable. OK, les gars, du moins. Toujours une chose qui est sûre, c'est que nous autres ici, en ce moment, on est live au Gym Olympe, le seul et vrai et unique gym dans lequel on est non seulement privé, mais on est capable de vous donner un service exemplaire et on s'occupe de vous comme des professionnels parce qu'on considère ici que le client, c'est lui qui décide et c'est lui qui mérite le meilleur. Donc, 3055 boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec, pour nous rejoindre, le 418-204-8246, le 418-204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région médiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le choix de vos exos sont redondants et ne vous permettent pas le donnant-donnant de ce que vous espérez tant. Oh, boy! Yes, sir! Parlez-moi de ça. Alors, cette semaine, écoutez, j'ai des petites affaires qui sont bien intéressantes pour vous. J'ai des gens à répondre parce que j'ai des gens qui m'écrivent des mails. Donc, gênez-vous pas, là. C'est super important. Cette année, il faut être plus interactif. Hein? Cette année, je vous propose du coaching avec moi. OK? Donc, vous m'écrivez des mails. Écoute, coach, je fais tel mouvement. Vous le filmez. Je suis correct. Ça a-tu de l'allure? Je me suis fait un training à maison. J'ai pensé à ça. Bon, j'en vois tellement de ce temps-ci. Il y a du monde qui se patente des affaires de fou. J'ai même un gars qui m'a envoyé des haltères qui a fait lui-même en béton. C'est pas des jokes, là. C'est fou, là. C'est fou ce que je vois. J'ai du monde, là. Je suis allé visiter, entre autres, le gym d'un gars chez eux dans sa cave. Il a découpé des morceaux d'acier. Il a peinturé ça. Il s'est fait un T-barreau, un Viking Press, une cage à squat. C'est capoté. C'est capoté. Alors, les Québécois sont non seulement très créatifs, mais sont non seulement des gens qui sont capables, je dirais, d'avoir des idées qui sont relativement très, très novatrices et originales. Donc, après ça, quand on nous dit que la seule manière de travailler au Québec, c'est la manière qu'on nous donne, je pense que tous en chacun, on est capable de nous exploiter notre plein potentiel. Puis on n'a pas besoin du...
gouvernement pour se faire dire ça. Hein? Je pense qu'on est autonome. All right, OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais commencer cette semaine la capsule. La capsule qui est le coaching privé, OK, avec Coach Grondin. OK, les exos. Alors, ça, c'est la première partie. OK, parce que je vous dirais que je ne pourrais pas passer au travers de tout ce que j'ai aujourd'hui. Puis ensuite de ça, ben dans 2-3 semaines, on fait un coaching privé ensemble, qui vont être la série de plusieurs. Hein, OK? Puis s'il y a des gens, des fois, qui ont de la misère avec certains mouvements, vous m'en parlez. Donc, c'est bien important. Sachez aussi qu'à partir de maintenant, j'ai fait un choix et je vous le demande. Je suis excessivement, mon Dieu, comment qu'on pourrait dire? Je suis très flexible là-dedans. Je suis très humble dans ma demande. On fait des capsules depuis 2012, monsieur le caméraman. Parfait. Donc, écoutez, je ne les ai pas comptées, là, mais si on n'est pas loin de 500 capsules, on n'est pas loin certain. Au lieu d'aller sur Patreon ou au lieu d'aller sur d'autres sites sur lesquels je vous dis, vous êtes obligé d'accéder à mon site avec une carte de crédit, ben sinon, la capsule du show, vous l'avez, mettons exemple, dans 3 semaines, 1 mois. Moi, je reste live directement avec vous sur YouTube. Ça me fait excessivement plaisir. La seule chose que je vous demande à partir de maintenant, si vous appréciez le show, si vous aimez ça, si vous pensez que ça vaut ça, n'importe quel don que vous êtes capable de faire, vous avez le bandeau qui passe directement en bas sur mon PayPal, de 1 à 5 $, tout simplement, mais c'est de façon volontaire, je ne vous le demande pas. Si vous trouvez que la qualité de ce qu'on vous donne en termes pédagogiques et d'information est relativement valable, bien vous dites, moi je suis prêt à prendre 5 $ par mois et à donner ça à M. Grondin parce que je trouve que ces informations sont bonnes et il me donne un bon coup de main. Alors si vous faites ça, bien tant mieux, je vais être bien content. Puis si vous ne le faites pas, bien je vous aime pareil. OK? Donc je vous le demande. En date d'aujourd'hui, je n'avais jamais rien demandé, mais aujourd'hui, je vois que plusieurs YouTubeurs finalement demandent toujours un peu. J'étais pas rendu là comme tel, mais je pense qu'avec la qualité du contenu qu'on vous donne, puis le travail qu'on fait ensemble, je pense que des fois, de se donner un petit coup de main, ce serait très bien. Alors, de façon volontaire, si ça vous interpelle, ça va nous faire excessivement plaisir. Et comme je vous dis, même si vous ne le faites pas, je vais vous aider parce que je vous aime, parce que vous êtes mon auditoire, parce que je vous respecte et parce que sans vous, ce show-là n'existe pas. Voilà. OK. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite demoiselle. Je vais donner son nom. Là. C'est pas un secret planétaire. Elle s'appelle Mademoiselle Sofiane Clé. Alors, bonjour. Alors, je parle à quelqu'un qui est en Belgique aujourd'hui. Alors, salut Sophie. On s'est parlé au téléphone. On a eu bien du plaisir d'ailleurs. C'est parce que Sophie, elle a une problématique avec un poignet. OK, bon. Là, il y en a qui vont penser crache. Non, c'est pas ça. Prends toute l'affaire. Monsieur le régisseur, une femme peut avoir mal au poignet. Je suis sûr que la vôtre a pas mal. C'est comme un feeling. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être juste à trouver, mais pas. Non, c'est ça. Parfait. Voilà. La cabine pressurisée. Parfait. Quoi? J'entends pas. Hein? Mais je peux pas lire ses lèvres, vous avez 3 masques. Ouais, c'est ça. Tassez-vous. C'est malade. Je suis avec un mollusque déguisé en homme grenouille. C'est incroyable. Et tout ça parce qu'il est syndiqué socialiste. Il est fantastique, merveilleux. OK, right. Donc, Sophie Anne-Clé, écoute, je mets mon pad de côté. OK. Mademoiselle me dit que quand elle lève la main, OK, au niveau, je vous dirais, OK, vous avez les fléchisseurs de l'avant-bras et les extenseurs de l'avant-bras. OK. Quand on a une problématique à lever sa main, et qu'on a une pression qui se fait ici. J'ai demandé, est-ce que tu as une bosse à un certain endroit, un inconfort, un élément spongieux quand tu touches, exemple, ça aurait pu être un kyste synovial. Elle me dit, c'est pas ça du tout. Bon, alors, c'est pas ça. J'ai dit, est-ce que tu mets des bandes protectrices, excusez l'anglicisme, là, des straps de poignet? Excusez, je sais pas comment vous appelez ça, là, vous autres en Europe, là. Nous autres, en bon québécois, c'est des straps de poignet, c'est ça? OK. Donc, je sais pas comment vous autres vous appelez ça. Ouais, un support technique d'avant-bras, là. Je sais pas trop, là. Bon, peu importe, là. Vous appelez ça comme vous voulez, là. Des maîtriseurs d'articulation, là, oui. Bon, en tout cas, peu importe. Vous le faites comme vous voulez, là. Donc, du moins, elle dit oui, j'en mets. Bon, OK. Donc, il y a une chose qui est sûre. Quand vous vous entraînez, même avec ça, vous ne cassez pas les mains. OK. Il faut toujours que le poignet, dans l'axe, directement, cubitus radius, dans l'avant-bras, il faut toujours que ce soit comme ça. Exemple, le pire, c'est quand vous faites un exercice de triceps nommé le close grip, prise serrée, développé olympique couché, prise serrée, ou en anglais, le close grip bench press. OK. Quand vous le faites, souvent, je vois beaucoup de gens qui poussent comme ça. C'est excessivement mauvais. C'est comme ça qu'il faut travailler. Est-ce que je mets mon pouce l'autre côté de la barre, en arrière de la barre? Personnellement, je mets toujours mon pouce en arrière, mais c'est personnel. Je connais des gens qui ont beaucoup de force à mettre le pouce en avant et beaucoup de gens qui ont le pouce en arrière. Honnêtement, là, 50-50. Allez-y avec le confort, parce qu'il y a des gens qui me disent le pouce en arrière, j'ai peur de me la domper au travers de la tronche. Bon, c'est correct, c'est beau, je suis capable de comprendre ça. Moi, quand je mets mon pouce en arrière, j'ai l'impression que je perds le contrôle. Alors, vous voyez, c'est deux choses parfaitement différentes, mais ce sont deux méthodes parfaitement intéressantes et fonctionnelles. OK. Donc, on me dit qu'on ne fait pas nécessairement ça, mais je vous dis, je prends quand même la peine de commencer à investiguer. Quand on a des problématiques comme ceux-là, si quand je lève, j'ai une pression ici à l'intérieur, c'est que de toute évidence, il y a quelque chose qui vient mettre trop de
de pression dans ce que je fais. Donc, quand je m'entraîne, exemple, si je fais des biceps, je dois absolument toujours garder ma main dans mon axe avec mon avant-bras. Je ne suis jamais comme ça, vous voyez? Je suis pas comme ça, je suis comme ça. Très important. Je fais du curl, je fais du bicep, je le montre, je suis carrément comme ça. Si mes mains sont comme ça, je suis toujours en train d'exercer une pression dans mon articulation. C'est excessivement mauvais. C'est pas parce que ça fait un problème. Une semaine, trois mois, deux ans, ouch! Hey, ça commence à faire mal. Ben oui, la pression est tellement constante parce qu'à l'intérieur ici, vous avez les métatarses, les métacarpes, etc. Ce sont un paquet de petites amalgames d'os et de tendons et de muscles finalement qui font en sorte que la main bouge. Regardez ce que ça fait ici. Quand je bouge mes doigts, regardez, vous voyez? OK, il se passe que c'est genre Aquaman. Il se passe vraiment quelque chose, OK? Donc, à partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extenseur et le fléchisseur de l'avant-bras sont peut-être en tension. OK? Un conseil que je vais vous donner, mademoiselle Clé, OK? Vous avez fini votre entraînement, vous allez à la douche, etc. Savonnez! Le pouce à l'intérieur ici, on pousse pas pour s'arracher l'avant-bras, on pousse pour créer une tension. On descend pour étirer, on met le pouce, on le laisse là, on ne le bouge pas, on ne fait que déplacer l'avant-bras. On descend pour étirer, on descend pour étirer, on descend pour étirer. On relâche la partie qui est là pour ensuite faire le contraire et placer son pouce ici en haut et pousser jusqu'en haut comme ça pour être capable d'aller étirer cette section-là aussi. Ça, je vous dis de mettre du savon parce que sinon, vous allez vous ramasser à la face comme la femme de M. le régisseur. C'est pas super bon. Mais là, c'est pas de ma faute. Moi, si votre femme est rouge et velue, hein, bon, j'ai rien d'avoir là-dedans quand même. C'est vous qui vous la tapez. Hein, bon. Moi, je me tape pas des trucs rouges et velus. Bon, j'ai déjà mangé des jours sains, mais j'ai pas aimé ça. Bon, d'accord. OK. Hein? Justin Trudeau, c'est quoi qui arrive? Il vient faire quoi là-dedans? Oui, ah, ça, je ne sais pas, sa femme tout nue, si elle est rouge et velue. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça l'air qu'il n'est même plus avec. De toute manière, il est tellement viril. Il pourrait peut-être même sortir avec une plante verte, on ne saurait même pas. OK. Donc, du moins, sac à blague. OK. On étire le morceau qui est ici. On a relâché le premier pour relâcher le deuxième. Ça, c'est un petit truc que n'importe quel chiropraticien va vous donner. Puis, au lieu de vous coûter 90$, ben mon Dieu, si vous faites un don d'$1, ça vient de vous coûter une pièce pour régler un problème. La solution fantastique. Donc, du moins, je vous dirais, commencez, mademoiselle Clé, par pratiquer des étirements au niveau de vos avant-bras. OK, premièrement. Deuxièmement, corrigez vos postures de main. C'est si vous savez que vous faites des curls avec des bords droites et c'est pas confortable, travaillez avec des bords en Z. Exemple, ça peut être intéressant. OK? Ou si vous faites des biceps avec des haltères, vous pouvez commencer dans une prise en marteau et tourner progressivement. C'est très important aussi. Placez toujours la main, l'articulation, l'emboîtement cubitus radius avant-bras, toujours dans l'axe dans lequel le confort se fait. OK? À l'entraînement, si le mouvement est confortable, techniquement, post-entraînement, il peut y avoir des stress, des pressions, des inconforts, mais qu'il ne reste pas majeur et chronique. Si après l'entraînement ou pendant l'entraînement, les mouvements deviennent exigus, complexes, inconfortables, de toute évidence, la formule magique n'est pas là. OK? Alors, il faut vraiment corriger à ce moment-là, c'est important. OK? À l'entraînement, il faut être capable de déployer beaucoup de force, même si c'est lourd et harassant, mais de façon confortable. Je me rappelle très bien, d'ailleurs, j'ai souvent fait rire un de mes entraîneurs, Marc Sauvès, pendant plusieurs années, parce que je disais, OK, j'ai fait mon squat à matin, 4 plaques 25, série de 12, très confortable. Il me regardait puis il riait. Il dit, j'ai jamais vu un gars me dire que squatter 500 livres, c'était confortable. J'ai jamais vu ça. Ben là, je dis, écoute, ben, la carcasse le prend. Il dit, ouais, mais bon, ça me fait toujours drôle quand tu me dis, dis-moi confortable, un scotch dans mon salon, dans mon sofa de cuir, c'est confortable. OK, ben j'ai dit, moi, 3 plaques au banc, série de 12, confortable. On aime ça, c'est ça. Bon, OK, chacun sa définition. Du moins, commencez, mademoiselle Clé, par pratiquer un peu cette idée-là. OK, mettez toujours vos straps et corrigez dans vos mouvements d'entraînement. Choisissez des mouvements d'entraînement au niveau des prises de vos mains qui vous amènent beaucoup de confort. Alors, on étire à tous les jours. À tous les jours, on étire comme il faut, on relâche. On peut travailler aussi avec le Doliprane. Vous autres, vous avez ça en Europe. On peut travailler aussi, je vous dirais, avec... voyons, comment est-ce que ça s'appelle déjà? David, il nous apporte ça, là. Voyons. Du Naprosin. Nous autres, on a du Naprosin. Moi, j'ai ça en boîte de 4000. OK, bon, c'est bon. Ah, on est bien plugué. On est bien plugué. Ensuite de ça, je vous dirais, écoute, vous pouvez travailler aussi avec certains types de crèmes qui sont des crèmes qui vont aller réchauffer la peau, ou exemple, mettons comme un Voltaren et Mugel qui va être anti-inflammatoire. Utiliser
des crèmes comme celle-là. Ensuite de ça, mettre un coussin chauffant, OK, autour de l'articulation pour y amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang oxygéné, OK? Et ensuite de ça, mettre de la glace par-dessus pour cautériser un peu comme tel l'inconfort. Ça pourrait être intéressant. OK, parfait. Je vous dirais, c'est très, très, très pertinent, monsieur le caméraman. Merci beaucoup. À chaque fois que vous vous êtes entraîné, vous allez vous étirer. Même les journées que vous vous entraînez pas, vous allez vous étirer. Et quand vous faites un traitement comme celui-là, là, OK, vous vous étirez, etc., ça, c'est dans votre douche. Ça prend peut-être environ 3-4 minutes. Quand on met un coussin chauffant ou de la glace, une à deux fois par jour, 10 minutes chaque maximum, pas plus. OK, très important, parce que sinon, à un moment donné, vous brûlez des tissus. C'est pas mieux. Donc, mademoiselle Clé, c'est justement, je voulais prendre le show du... Oh, cher des bras, on dit les vraies affaires. Alors, je voulais commencer avec vous pour vous donner une explication plutôt visuelle, hein, si ça pouvait vous aider là, dans votre quête de votre musculation et vous éviter encore de vous faire dire que vous avez un plan cul parce que vous travaillez avec un homme. Là. Incroyable, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Là. Non, mais tu sais quand même, je veux dire, une femme qui veut faire de la musculation parce que son partenaire est un homme, ça fait un problème. Là. Ben là, c'est parce que là, ça se dit pareil. Je veux dire, ben oui, ça se dit en masse, ça se dit. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit, c'est correct, c'est beau, c'est son partenaire. Bon, c'est bon. OK, parfait. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on y va comme ça, pardonnez-moi, là, je me penche pour ramasser mes affaires. OK, parfait. Non, c'est parce que ça m'avait bien gros insulté. J'aime les femmes épanouies, donc je vois jamais le problème. Crois qu'une nageuse ouest-allemande aux Olympiques qui a l'air d'un gars, ça, c'est une autre affaire. Hein. Je pense même qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on écoutait ce matin. Hein. On a réintégré, c'est une des premières choses que Joe Biden a faites, il a intégré les transgenres dans les équipes de sport féminine. Donc, c'est la mort du sport féminin. Et voilà. Hein, vous allez vous ramasser avec des anciens gars hein, qui vont aller faire du lancer du javelot puis du vélo. Il n'y a pas une femme pour accoter ça. C'est en plein ça. Ouais, moi, je m'appelle Manon. Salut. OK, toi, avant, t'étais Marc. Hein, c'est bien ça. Hein? Là, puis il se gratte le pin. J'étais là, boy, je te dis que c'est. Hein, c'est ouh, ça fait des petits guidous. Hein? On aime ça. OK, donc, ça, c'est ma première partie. OK, deuxième. Oui, ça, j'en ai parlé. Oui, toi, oui. Vous allez toujours voir en bas apparaître un petit logo. Pouing, pouce levé, s'il vous plaît. Si vous appréciez la capsule, si vous l'appréciez pas, j'imagine que vous ne l'écoutez pas de toute façon. Mais j'avoue qu'il y a toujours le même Christy Taton qui me fait un pouce par en bas. Sérieux, je peux en avoir peut-être 500 hop, j'ai toujours un en bas tout le temps. Je suis sûr que c'est le même. Je suis sûr que c'est le même. T'sais, c'est un genre de bizarroïde chez eux, là, t'sais, le brainwashé TV anxiété. T'sais, lui, il capote, il fait comme lui, il est malade. Ouais. Sais-tu que des fois, ceux-là qui parlent sont pas mal plus que ceux-là qui le disent. Hein? Tu sais, hein, on est capable de faire des parallèles, hein, des fois, c'est intéressant. OK, du moins. En tout cas, ça, très intéressant. Faut que je vous fasse ça, faut que je vous parle de ça. C'est des mails qui me sont envoyés. Alors, c'est M. XYZ. Je vais dire M. XYZ parce que son nom dans l'histoire, peu importe que vous le sachiez ou pas, ça ne change rien pour lui. Alors que Mademoiselle Clé me l'a demandé, puis je voulais lui exprimer finalement tout mon professionnalisme en visuel. Voilà. Bon. Alors, salut Marc-Antoine, alors content que tu aies repris tes capsules, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Je te fais un petit copier-coller du mail que ma copropriété, OK, il y a quelques temps, OK, histoire que tu te marres un peu. Tu comprends bien que je te l'ai envoyé se faire foutre bien gentiment. OK, alors écoutez bien ça, vous allez voir, c'est très drôle. Bonjour, Monsieur X. OK. Alors, en votre qualité de syndic de la résidence, nous avons reçu des réclamations relatives à des nuisances sonores concernant votre garage. Vous me voyez venir, là? Le gars n'est pas mécanicien, pas deux minutes. OK. En effet, nous vous rappelons que votre lot est un garage, OK, et non une salle de sport. Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir respecter le calme et la tranquillité de la résidence, surtout en cette période de confinement qui est une période assez difficile pour tout le monde. Oh, ben oui, il y en a pour qui c'est tellement... Ah, c'est impactant, c'est effrayant, ah oui. Hein. Ben voilà. Par ailleurs, nous vous rappelons que si les salles de sport ouvertes au public sont fermées pour éviter la propagation du virus... Excusez, là, t'as-tu vu la crise de conne, toi? Le gars est seul dans son garage à s'entraîner, puis il va propager un virus. Ça, c'est le genre d'enculé qui est seul dans son char avec un masque, puis qui pense que la vérité encore aujourd'hui, là, c'est le capotage sur le coronavirus. Hey, ouvre-toi les yeux, t'es en train de manquer le show. Incroyable. Alors, ce n'est pas pour des rassemblements privés, OK, ce n'est pas pour que des rassemblements privés se fassent dans d'autres lieu. Content sur votre collaboration, bonne réception. Alors, c'est pas compliqué, l'histoire est très simple. C'est Monsieur XYZ s'entraîne dans son garage chez eux parce que les gyms sont fermés et ça écœure ses voisins. Je sais pas comment ça marche dans son coin. Là. J'imagine qu'il n'y a pas son garage puis tous les logements sont autour puis il est tout seul à en avoir un. Je suis pas ça. Là. Mais du moins, ouais, effectivement, oui, t'as bien fait de dire à ta propriétaire que c'est une charogne puis oui, puis elle peut aller se passer un wheelie à Tokyo. Oui, effectivement, parce que vous êtes dans un garage. Ce serait quoi la différence entre ça puis
taper sur du métal, OK, ou travailler sur un moteur, OK, ou réparer une tondeuse, ah, OK, ou essayer de partir, exemple, mettons, un coupe-bordure. C'est, ça serait quoi la différence entre ce bruit-là puis entendre c'est quoi la différence entre les deux? Finalement, un garage, je pense que c'est une place où on peut faire un peu de bruit. Puis ici, c'est juste pour se tenir en santé puis loin des hôpitaux. Je pense que c'est pas un gros problème. En tout cas, du moins, je voulais vous en parler cette semaine parce que je trouvais ça très drôle. J'ai vraiment un auditeur du Chat des Pros qui m'a l'envoyé et je voulais partager ça. Dans un autre ordre d'idée, j'ai une personne. Il va se reconnaître. Vous m'avez envoyé un mail aujourd'hui et vos initiales sont FB. OK? Je voulais vous remercier pour votre première vidéo qui fait chaud au cœur par sincérité et spontanéité. Mais merci beaucoup, ça me fait excessivement plaisir. Si vous me rencontrez en personne, je suis exactement la même personne, comprenez-vous? Ce que vous voyez au show puis dans ma vie privée, je suis exactement la même affaire. La seule chose qui n'est pas pareille, c'est le régisseur. Le régisseur, il n'est pas dans ma vie, OK? Lui, il est syndiqué, OK? Puis lui, là, c'est un esclave du système. Moi, j'ai rien à voir avec lui. Lui, il est payé, puis il comprend rien de ce qui se passe, puis il se cache derrière sa vitre avec son masque d'en face. C'est ça. Hey, vous êtes payé? Ouais. Vous allez faire comme mes chiens. Coucou, panier. Merci, parfait. OK. Donc, FB me demande, tout simplement, je voulais vous exposer votre avis sur la cure que je veux faire et mon PCT, etc., etc. Donc, on parle ici de... Mon Dieu, je suis obligé de mettre mes yeux, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, je suis obligé de vous admettre que je vieillis. Effectivement, mes yeux me font défaut aujourd'hui, alors je dois avoir des loupes. Et voilà, parfait. OK. Alors, on parle d'un cycle qui se détaille un peu comme celui-là. 100 mg de testostérone propionate toutes les deux jours. 100 mg toutes les deux jours, mettons lundi, mercredi, vendredi, à peu près 300 mg par semaine. C'est correct pour moi, c'est bon. 300 mg de primo. Le primo! Le primo! Le primo! Ouais, le primo! Excusez. OK. Non, ça m'emporte toujours un peu le primo, là. J'aime ça, le primo. Bon, yes, hein. T'sais, ça rend heureux, hein, pareil. OK, donc 300 mg de primo par semaine, ça fait des belles jobs, je suis bien d'accord avec vous. Dosage de 300 à 400 mg par semaine, c'est très, très bien. 300, c'est excellent. Alors, remarquez bien, je connais pas, monsieur FB, je connais pas votre historique musculaire, ni d'entraînement, ni votre âge, ni votre gabarit, donc j'y vais at large. OK, je vous connais pas, donc je peux pas nécessairement évaluer l'ensemble de tout. OK, yes. Mais à partir de là, ça, je pense que ça, ça a de l'allure. On a 50 mg de traîne acétate, qui est la traîne bolonne qui rend complètement marteau. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, j'en prends pas à cause de ça. Moi, je deviens complètement fou. Quand je prends du traîne bolonne acétate, je deviens comme Pierre Fitzgibbon. J'ai plus aucune raison, puis je deviens complètement dément. Oh, les entreprises meurent. Oh, je vais tuer tout le monde. Excusez, excusez. OK, bon, c'est bon. Donc, du moins, tous les deux jours. Donc, 50 mg de trenbolone acétate tous les deux jours. Bon, écoutez, c'est bien. C'est bien, c'est léger, mais c'est bien. Écoutez, ça va devenir beaucoup moins agressif, moins corrosif pour le corps à ce moment-là. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Bon. Là, vous me parlez d'un proviron par jour. Vous avez du matériel qui est excessivement androgénique, mais par contre, vous avez déjà une testostérone qui est une testostérone qui est pas un androgène, mais qui est androgénique. Bon. Alors, on est capable de backer avec ça le trenbolone. C'est beau, c'est correct. Le proviron comme tel, c'est parce que ça dépend de votre âge, OK? Pendant le traitement, le proviron, oui puis non. Moi, je préfère le faire plus vers la fin. Ou exemple, si j'ai un cycle de 8 semaines, peut-être à partir de la 6e, je vais l'imbriquer pour embarquer dans ma PCT. Donc moi, je vous conseillerais peut-être plus de le faire comme ça, parce que là, on parle d'un proviron par jour. Un proviron par jour, c'est comme prendre un verre d'eau. OK, c'est pas compliqué, c'est 25 mg test standard, donc moi, je conseille toujours minimum. C'est 2 à 3 portions dans une journée, on parle de 25 mg, 50 à 75 par jour. Donc tant qu'à le faire, je ne l'extensionnerai pas tout le long du cycle, j'irai plus vers la fin, je vous conseille un cycle de 8 semaines maximum. OK, parce que 8 semaines, puis les deux dernières semaines, on plafonne. Donc moi, je ferais vraiment un bon 8 semaines. Donc, à partir de la 6e, j'imbriquerai le proviron 2 à 3 comprimés par jour, matin, midi, soir, pour environ peut-être l'équivalent de 3 à 4 semaines. On me parle d'un Olvadex à tous les deux jours. Pas de problème avec ça. Je trouve que c'est très bien. Si vous voyez que l'énergie baisse et vous êtes lourd, eh oui, vous avez de la misère à vous décoller du lit le matin comme un sticker à mouche. OK, si c'est ça, à ce moment-là, je vous dirais peut-être un ou trois jours. Et à un moment donné, c'est parce que de l'oestrogène dans le corps d'un homme, on en a besoin pour aller balancer. Parce que quand le testostérone monte, l'oestrogène monte. Ça tend toujours à vouloir se balancer. OK? Mais la propionate est relativement rapide. Donc, à ce moment-là, si je suis toujours trop fort dans mon anti-oestrogène, je crée une problématique de débalancement. Donc, faire attention peut-être à ça. Trouver le juste milieu. Il y en a que c'est un ou deux jours, un ou trois jours. Bon, en tout cas, du moins. Un ou deux jours pour partir, je trouve que c'est bon. On parle aussi d'un protecteur de foie en Europe. Vous avez du livre 52. C'est du...
Chili-Bomb Marine ou quelque chose comme ça. J'ai pas de trouble avec ça. Chardon-Marie, c'est très bon. Nous autres, ici, de la compagnie Now. Moi, j'ai trouvé un petit produit. C'est quoi déjà? Comment est-ce qu'il s'appelle? On l'a eu hier. C'est Protector Liver ou Protect Liver, quelque chose comme ça. Hey, ça, là, ça nettoie le foie, ça le protège, ça le rend fonctionnel et c'est un produit de santé. Moi, la compagnie Now, N-O-W, la compagnie Now fabrique une multitude de produits qu'on appelle du health being, là. C'est vraiment des produits de santé générale. Très, 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 très belle compagnie. Rapport qualité-prix excellent. Regardez vraiment, je vous dirai, au niveau des protecteurs de foie et des nettoyeurs qui sont faits par Now. Vous pouvez commander ça partout. Si vous êtes capable de ne pas le commander chez Jeff Bezos, prenez-le dans un pro shop pas loin de chez vous, hein, pour encourager local, hein, au lieu d'encourager des multimilliardaires qui nous rient d'en face. Mais bon, si vous n'avez pas d'autre choix, ben passez par fucking Jeff Bezos, là, pas le choix, c'est bon. Mais du moins, je vous dirais, dans l'ensemble, je déteste pas ça. La seule chose qui vous manque, et c'est évident, il n'y a aucun HCG dans votre cycle. OK, donc déjà là, en partant, je ne connais pas votre âge, donc je ne sais pas où est-ce que je le placerais, mais c'est sûr qu'il y en aurait. C'est à moins que vous me disiez que vous avez 25 ans, mais déjà là, je vous dirais peut-être que le train, ce n'est pas une obligation. Je ne sais pas comment vous avez fait de cure, etc. Mais dans l'ensemble, je confirme un peu la démarche. C'est correct, c'est bon pour moi. Pour le reste, écoutez, si M. FB qui m'a écrit ce matin, là, si vous avez des questions, des interrogations, continuez à m'écrire, ça va me faire plaisir. Alors, c'était la capsule, mon Dieu, c'était la première partie de la capsule sur les interrogations des clients, OK, et des gens qui regardent le show. Charles Dubreuil, on s'occupe des gens qui regardent le show. OK, chers téléspectateurs, vous m'écrivez vos courriels, vos questions, vous faites ça avec moi. Il faut créer du coaching. Hey, c'est à vous autres que je parle. Oui, oui, c'est ça, oui. Lâchez votre assiette en train de manger. Regardez-moi là-bas. OK, il faut créer du coaching interactif cette année. Donc là, on travaille ensemble. Tu sais, comme dans 2-3 semaines, je vais vous dire, OK, allez préparer vos haltères, vos affaires, toutes, vous pluguez en capsule, là, je suis avec vous. C'est moi qui vous entraîne. Fait que là, il faut que vous soyez dans votre salle avec vos affaires, là. C'est bien important, OK? Fait qu'on va travailler ensemble là-dessus cette année parce que je crois que de partager du coaching avec vous puis de la connaissance de façon encore plus biomécaniquement prouvable, je pense que ça risque d'être beaucoup plus intéressant un peu cette année. Je reviendrai avec beaucoup de capsules informatives, mais cette année, je crois que je me dois de prendre sur mes épaules un peu le poids de tous et de vous aider à cheminer cette année parce que ça va être difficile, puis de vous aider à garder un bon mental puis de travailler très fort pour conserver votre santé d'abord et avant tout. C'est vraiment, vraiment important. OK. Donc ça, c'était la première partie de la capsule. La deuxième partie, on va vous revenir directement après la pause. Ce que je vais faire, je vais aller vous montrer 1, 2, 3. J'ai 5 exercices cette semaine que je vais regarder avec vous. OK? Des choses que vous pouvez faire soit à la maison, soit chez un chum, dans un garage, ou à quelque part d'analogue, là, que vous êtes allé vous cacher, tout simplement, là. Ou dans une salle d'entraînement qui est fermée, dont vous êtes le propriétaire, ou quelque chose comme ça, du moins chez un ami, dans son sous-sol, dans un bunker. C'est rendu grave, hein, c'est après les oiseaux se cachent pour mourir, les culturistes se cachent pour s'entraîner, hein, c'est rendu complètement dément, c'est débile, ben, c'est fou. En tout cas, du moins, toujours est-il que l'idée comme telle, c'est de regarder des exercices avec vous, que non seulement vous avez peut-être oublié, mais que vous ne savez même pas qu'ils existent. OK? Il y en a un, c'est sûr que vous ne le connaissez pas, même deux que vous ne connaissez pas, même trois que vous ne connaissez sûrement pas, ou peut-être pas avoir pratiqué beaucoup. Puis j'en ai un que j'ai pratiqué justement avec mes partners vendredi. Alors, Jean-Pierre s'est quasiment arraché la peau de la nuque. Paul s'est arraché un bout de menton. Moi, je me suis arraché un bout de nez. Bon, c'est tout un exercice. Hein? Il n'y a pas à dire, on est tous sortis de là convaincus que ça rentre au poste. OK. Donc, je vous dirais que notre appréciation de l'exercice était plutôt indéflexible. Hein? Et c'était perfectible que dans l'ensemble, finalement, il fallait prendre notre temps et faire attention. Hein? Voilà. Alors, pas de surcharge. Hein? Voilà. OK. Donc, je vous dirais, j'ai ces 5-là, je vais aller les regarder avec vous. Donc, du moins, on va revenir après la pause et on imbrique la deuxième partie de la capsule, le volet activité physique. De retour après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure.
Alright! Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans mon gym complètement vide et fermé. Je suis très content de vous accueillir comme des fantômes. Fantastique. OK. Donc, du moins, je vous dirais ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un exercice que j'ai développé moi-même personnellement. C'est un exercice qui portait pas ce nom-là avant parce que j'avais quelqu'un à qui je l'avais prescrit. Mais du moins, j'ai préféré lui donner mon nom à moi, tout simplement, parce que c'est moi qui l'ai inventé. C'est un exercice qui est particulier. C'est un exercice d'épaule qui va cibler, je vous dirais, l'ensemble de toute l'articulation de l'épaule, mais sensiblement plus l'arrière. Ensuite de ça, sachez aussi que c'est un exercice auquel vous ne pouvez pas le travailler dans une cage. Vous devez prendre la barre, la mettre sur vous, la travailler, la placer. Donc, vos charges sont limitées. C'est un très bon exercice à exécuter, je vous dirais, en combo. Alors, en superset, en triset, en giant set. Ça a quand même une certaine limite au niveau de la charge. Parce que l'articulation projette la charge vers l'arrière et doit la supporter. Donc, il y a une grosse job au niveau des stabilisateurs, système nerveux central et dans la précision du mouvement. Le seated barbell press back 60 degrés, OK, fait en sorte d'aller projeter la barre vers l'arrière dans l'axe du banc et fait en sorte de développer le deltoïde postérieur et stabilise sensiblement l'articulation, travaille aussi, je vous dirais, au niveau du trapèze supérieur 1, un exercice qui est excessivement complet et très intéressant à travailler, je vous le démontre. Alors, exemple, je suis dans ma salle, je me prépare, j'ai mis mes poids, je vous conseille de le travailler avec une barre droite idéalement, prise de la barre le plus large possible, allez chercher le maximum, OK? On prend la charge avec nous et on l'apporte directement à la clavicule. Je suis parfaitement assis. Je ne colle pas ma tête pour libérer justement l'espacement entre ma nuque et le banc. Parfaitement assis, les jambes assez larges. On se rappelle de Joe Weider, 1950-60. Stationary Principle. On met les pieds au sol et on ne bouge plus. Hein, moi, le monde qui sont de même quand ils s'entraînent, là, on n'est pas à cabane à sucre. OK, parfait. Donc, on est bien installé. On colle les omoplates très fort. On vient porter la charge directement derrière la tête. On est bien installé. Et dans un mouvement unique et concerté, je vais pousser la charge en arrière dans l'axe du banc. Je reviens directement derrière ma tête et je pousse directement à 60 degrés vers l'arrière. C'est un exercice qui fait une compression incroyable directement au niveau du derrière des épaules, du trapèze et qui stabilise beaucoup les articulations et qui permet, je vous dirais en même temps aussi, une très grande contraction au niveau du deltoïde. Quand j'ai complété l'exercice comme tel, je reprends la charge pour venir la déplacer sur moi et je roule la barre avec moi directement sur mes jambes. OK, je vous dirais, c'est un exercice dont les charges sont mitigées. Donc, on ne fera pas des séries de 4 à 6 avec ça. C'est vraiment du complémentaire, tout dépendant des types de métabolisme, du 10, du 12, du 15. Exercice à agencer, à rajouter et à coupler finalement à l'intérieur de vos entraînements. Retour, deuxième exercice. Alright, exo numéro 2. J'ai déjà parlé de cet exercice-là, qui est un exercice qui s'est complètement perdu, un exercice qui sort des années 60-70. Évidemment, moi, je suis un culturiste, je suis un old school, genuine, vintage, enthusiast, lifter, bodybuilder. Moi, dans mon monde à moi, les exercices de base restent les machines, les flafla, pas vraiment, OK? Celui-là est un exercice, exemple, je viens de vous montrer un barbell press back 60 degrés. L'exercice que je vais vous montrer là, que vous, j'ai déjà parlé d'ailleurs, qui est un exercice que j'adore pratiquer, qui s'appelle le fly up, OK? Qui est vraiment un exercice de derrière d'épaule et de trapèze, surtout au niveau du trapèze, surtout dans la nomenclature au niveau du cou, très haut au niveau du trapèze supérieur 1, OK? Donc, je vais juste vous le montrer de côté et de face pour que vous compreniez comme il faut. Exemple, un exercice que vous êtes capable de coupler avec le premier, pour aller compléter l'effet d'ensemble et de synergie au niveau du haut du trapèze et des épaules. Alors, quand on regarde le fly-up de côté, l'individu a toujours ses haltères dans ses mains, descend relativement très large en gardant toujours les omoplates parfaitement collées et regardez comment est-ce que je vais le porter derrière ma tête. Je redescends les coudes vers en avant et je vais le porter derrière la tête. Je remets les coudes en avant. Regardez mes mains. Mes mains sont toujours portées légèrement comme si j'étais renversé pour être capable de projeter ma charge vers en haut et de tourner mes mains pour être capable d'aller augmenter le taux de contraction. Les mains sont relativement larges, les omoplates sont parfaitement collées et quand j'arrive en haut, je tourne vers l'arrière pour être capable d'aller augmenter mon taux de contraction. Je vais vous le montrer de face, juste pour qu'on comprenne bien ensemble qu'est-ce qu'on fait. Hein, c'est tellement facile de bouger dans le gym, il n'y a pas un chat. Mais voilà, yes, OK. Gracieuseté de François Léo Legault. Gardez votre gymnase fermée et perdez votre chiffre d'affaires. Vive le Québec. OK. Un instant. Est-ce que je suis bien centré, monsieur le caméraman? OK. Quand vous le regardez de face, la personne est parfaitement installée.
On part avec les mains relativement très larges, les omoplates sont collées, et je vais vraiment le porter vers en arrière. Ce que je veux que vous voyez, c'est que je ne m'en vais pas trop bas. Ça ne me sert à rien d'aller là ou aller là. Ce que je veux, c'est vraiment être capable d'exercer une poussée vers en haut, comme si c'était un développé écarté, mais je le fais carrément au-dessus de la tête. OK, exo numéro 3. Yes, sir! Je suis de retour et voilà, fantastiquement flamboyant. Yes, sir! Ben voyons, je sais pas ce que j'ai mangé un matin. Pour moi, c'est le deuxième café qu'il n'a pas fait. OK, bon. Voilà, parfait. Excusez-moi. Non, c'est parce que des fois, il y a des jours comme ça que... tu downloads, hein, ça arrive des fois. Bon, OK. Un petit exercice que vous connaissez aussi, que j'ai déjà parlé, c'est l'exercice qui nous a tout arraché un bout de peau à quatre parts cette semaine, là. OK, c'est le Patterson Press. Bon, j'ose croire que le gars qui l'a inventé s'appelait Patterson, là, j'imagine. Là, bon, on commencera pas à argumenter là-dessus, là. Donc, le Patterson Press, c'est une très bonne manière de travailler au niveau des épaules pour aller faire toute la jonction complète. En avant, en arrière. Travail très complémentaire. Je vous dirais un travail aussi d'organisation, OK, au niveau du système nerveux central, parce qu'on travaille à chercher beaucoup dans l'équilibre de la charge, dans le déploiement aussi en avant, en arrière, dans l'identification du schéma corporel, dans l'emplacement de la charge et dans la compréhension mécanique de ce qu'on fait. On doit travailler avec assiduité et lentement. Prendre la charge toujours sur les genoux, être parfaitement assis. Okay? Prendre la barre tout, je vous dirais toujours avec une bonne largeur, parce qu'on va aller de l'avant vers l'arrière. Fait que souvent, quand on fait un press en avant, on peut être comme un haltérophile. Moi, je travaille beaucoup comme ça, les pouces en arrière, mais c'est parce que quand j'arrive là, j'y arriverai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais me prendre très large. Comme ça, je vais me donner encore un meilleur gap, puis je vais me donner la possibilité de travailler beaucoup mieux. Je prends ma charge avec moi et je l'apporte directement à la clavicule avec mes genoux. Vous voyez? Je vais vraiment me servir de mon corps pour déplacer ma charge. Alors, je pars et je lève les genoux. OK. Vous voyez comment ça devient facile? Tu sais, ne vous époumonez pas à prendre les poids, okay, puis essayer de l'élever tout simplement sans dynamique. C'est une erreur, OK? Comme exemple, M. Régisseur est venu au monde, c'est une erreur. Alors, il y a des erreurs comme ça, des fois, ça arrive, OK? Exemple, Christian Dubé est ministre de la santé. C'est une erreur. Hein? C'est un comptable qui ne comprend absolument rien. C'est même quand on lui dit que c'est un imbécile, il croit encore qu'on lui donne des compliments. C'est agréable, le Québec de ce temps-ci à moins 40, c'est avec des entreprises fermées. C'est merveilleux. OK, prise très large. On y va avec ça tranquillement. Alors, je me sers de mes jambes. Je m'incline vers en avant et je crée une dynamique par laquelle je vais créer une synergie pour développer ma charge. Et voilà. OK. Quand je l'ai avec moi, je garde toujours la tête en avant. Je contourne la tête. Je m'en viens en arrière à la nuque. Je contourne la tête. Je m'en viens en avant. En arrière, un. En arrière, deux. En arrière. Il y en a qui vont me dire, M. Grondin, on a vu cet exercice-là en plein déploiement. OK. Quand vous montez complètement pour redescendre, vous brisez toujours la chaîne musculaire parce que vous vous arrêtez. Et vous allez me dire, c'est faux. Ah, c'est vrai parce que 90% des êtres humains, ce qu'ils font, c'est que quand ils arrivent en pleine amplitude, barre les coudes ou arrête le mouvement. Vous coupez la tension intrinsèque au muscle et vous l'empêchez d'avoir un temps de tension sous charge optimal. On doit absolument faire en sorte que le bras reste toujours plié pour garder une tension uniforme à l'intérieur de l'articulation et du muscle. Donc, je pars de là, je pousse à peine. Quand j'aurai un potentiel par lequel je pourrais me donner un break, je retourne en arrière pour créer une tension supplémentaire. Omoplate parfaitement collée. Pousse, contourne la tête, retour en avant. Wow, ça commence à chauffer, je repousse. Où est-ce que je pourrais me donner un break? J'en prends pas, je m'en viens en arrière. Je suis rendu en arrière, c'est OK, parfait, c'est beau. Je garde la stabilisation, je reviens. Un. Deux, etc., 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 etc. Le Patterson Press, comme tous les exercices que je vous montre aujourd'hui, sont des petits exercices que vous êtes capable de pratiquer à la maison si vous avez un minimum d'équipement. Et c'est pour ça aussi que je veux travailler avec vous cette année, c'est parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes bâtis des home gym, OK, puis j'étais curé de monter des trainings avec des élastiques, des ballons, là, sérieux, j'étais curé. Non, c'est parce qu'à un moment donné, quand je t'ai donné toutes les variations possibles d'exercices sans ballon, je commence à me sentir comme un animateur de cirque, je capote, là. Excusez, c'est un commentaire bien personnel de la part d'un entraîneur. Là. Donc, du moins, si je peux me permettre des fois d'apporter certaines variations qui semblent vous échapper, je crois que c'est peut-être un plus. Et voilà, parfait. OK, exo numéro 4. All right! Toujours seul et unique dans mon gymnase, de façon fantomatique et complètement transparente. Dans ma salle qui est complètement fermée, je l'ai-tu assez dit qu'elle était fermée? Bon, parfait, bon, tu me l'as fermée, merveilleux. OK, parfait. Hein? Bon, M. Régisseur qui est toujours là en train de faire le watch-out, oui.
Ben oui, on se met en forme. Hein? C'est pas comme vous. C'est indiqué, bon. OK, parfait, c'est bon. Yes. Hein? Oui, régime communiste de deuxième calibre. OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que le low dumbbell crossover est une variation d'un exercice que vous connaissez déjà, qui peut se faire debout, souvent avec des poulies. Mais il y a bien des gens à la maison qui vont me dire, j'ai pas de poulies, moi. Bon, parfait. À part peut-être ma femme qui a une strap dans la poulie, mais bon, ça n'a rien à voir quand même. On commencera par embarquer là-dedans. Donc, du moins, quand on est debout avec les poulies, on est capable de faire un mouvement vers en avant qu'on pourrait appeler un low cable crossover. Et on peut faire le low cable crossover avec le pic montant descendant à hauteur du menton pour aller chercher le sous-claviculaire. Relativement intéressant, OK? Par contre, de l'autre côté, je vous avouerai une chose, c'est que quand on n'a pas de poulie à la maison, on peut faire cet exercice-là que j'appelle le low dumbbell crossover, que moi, personnellement, je trouve beaucoup plus complet, OK? Positionnement assis, banc environ à 60 degrés, n'ayez pas tendance à trop vous incliner. Si vous êtes à 45 degrés, beaucoup de gens vont se plaindre d'avoir des tensions au niveau des épaules. Et c'est parfaitement normal parce que la gravité vers l'arrière pousse la charge vers en bas et amène tout simplement, je vous dirais, une oscillation négative directement dans la glénoïde et déplace l'articulation. Donc, dans une position 60 degrés comme celle-là, le tronc est beaucoup plus droit et est en position d'attaque. Je pense que ce serait vraiment de mise pour 90% d'une population active. OK. Les haltères dans mes mains. Oui, évidemment, je vous montre mes exos avec des haltères légers. Là. Quand même, je ne suis pas ici pour vous montrer que je peux me déchaîner. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Vous ne regardez pas le show pour mes performances. Vous regardez le show dans un point de vue pédagogique. Au sol des bras, on dit encore la vérité. OK. OK. On part par en bas à partir de là. Garde les omoplates parfaitement collées. La tête droite, les haltères sont à chaque côté. Rapprochez les jambes. T'sais, j'ai du monde qui me disent « Ouais, je l'ai essayé, ça marche pas. Hein. » Bon, OK, d'accord, parfait. C'est l'intellectuel qui parle. OK, bon, c'est bon. Alors, faut corriger. Alors, on part à partir d'en bas. Prise de l'haltère. Offset grip. Je suis pas au centre ici. Je suis là. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Monsieur le régisseur, je ne voulais pas poser votre question. OK. La raison pour laquelle, quand on est comme ça, OK, c'est que l'haltère va vouloir tourner à l'extérieur et on va forcer la main et l'avant-bras à travailler pour le stabiliser. Je ne fais jamais un exercice pour rien. J'aime travailler beaucoup de groupes musculaires quand je m'entraîne. Je ne fais jamais une seule chose pour une unique chose. Je m'entraîne pour créer une dynamique totale et complète dans mon métabolisme. Je veux sculpter du muscle le plus possible. Chaque séance est absolument importante au développement intégral de chaque gramme de muscle et pouces carrés parcourus. OK? Très important. C'est tant qu'à crever ici, t'es aussi bien ouais la job. Hein? OK? C'est important. On part chaque côté. Offset grip. J'ai mes haltères avec moi. Je monte vers en avant. Je m'en viens contracter mon pectoral et je retourne en arrière. Est-ce que je peux me permettre d'avoir peut-être une légère dynamique rendue en bas? Oui, fort possible. Mais faites attention. Si vous faites ça, n'ayez pas tendance à aller porter les haltères trop loin pour pas créer de compression au niveau de la glénoïde. Ce serait mauvais. Vous allez vous lever le lendemain et vous allez dire, ouais, j'ai saisi au niveau du pectoral, mais j'ai quelque chose à l'intérieur de l'articulation ici qui c'est plutôt moins, plus ou moins confortable. OK, très intéressant. En partant d'en bas, monte la charge, extérieur pectoral, en montant vers le centre, en montant vers le haut, en complétant directement dans le sous-claviculaire. Un exercice vraiment fantastiquement incroyable pour le pectoral. Très, 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 très efficient. Ce n'est pas un mass builder. C'est un exercice de finition qu'on fait quand même à haute répétition. Et je vous dirais aussi qu'il est aussi intéressant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, la seule différence, faites toujours attention. Quand vous travaillez le pectoral, ce qui est important, c'est le tonus au niveau du buste. Si vous travaillez trop sous le pectoral, vous allez avoir tendance à faire descendre les auréoles vers le bas. Ça se peut que ça désaxe un petit peu le buste à ce moment-là, même si ça lui donne un volume qui est saillant, vous risquez peut-être à ce moment-là de compromettre un peu la ligne féminine que vous avez. Donc, dans ces idées-là, exemple, si une femme pratique un exercice comme celui-là, je lui conseillerais peut-être d'aller un peu moins haut. OK, ne serait-ce que d'être capable d'aller créer une tension directement à la hauteur du mid-chest, qui serait largement suffisant. Par contre, pour un homme, de monter directement jusqu'au menton pour être capable d'appliquer une dynamique qui est beaucoup plus complète pour aller remplir le pectoral et le deltoïde antérieur par le fait même, pour un homme, serait peut-être plutôt de mise. Voilà, c'est ce qu'on appelle le low dumbbell crossover. Exo numéro 5! All right, yes, we're gonna be wild and free, yeah! OK, salut tout le monde, exo numéro 5! Écoutez, en vieillissant, avec l'expérience, oui, c'est important, et la maléficence de la profondeur d'E.T. Landwater ici, qui court après vos enfants. Mesdames et messieurs, rappelez-vous toujours que E.T. Landwater est un pédo qui court après vos enfants. E.T. Fun. Alors, quand vous voyez E.T. dans votre
votre quartier avec un doigt illuminé. Rentrez vos enfants. C'est dangereux. Voilà. C'était le conseil de sécurité de la semaine. E.T. est un pédo. Et voilà. Bon. OK. Comme Joe Biden. Voyons. Qu'est-ce que je dis là? Je peux pas dire ça. Voilà. OK. Donc, du moins, bon, on le dit pareil. OK. Donc, fuck Joe Biden. OK. Parfait. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que cet exercice-là, le front 13, c'est un exercice de devant d'épaule. On peut le faire debout. Moi, j'aime bien les exercices d'élévation frontale avec des appuis. Je vous dis pourquoi. C'est parce qu'on peut pas tricher. Je peux faire des front 13 avec des barres ou des dumbbells debout, puis je peux me servir de l'oscillation du corps pour aller déplacer ma charge. Peut-être intéressant. Exemple, si je le fais avec une plaque complètement au-dessus de la tête, je me donne d'avoir beaucoup plus de dynamisme. Celui-là est un exercice un petit peu plus isolatoire. Les charges vont être intermédiaires avec des séries relativement élevées qu'on peut utiliser dans des amalgames. En superset, en triset, en giant set, bon, peu importe. Exo-sol, oui, mais temps de repos court parce que les épaules sont de petits muscles. Hein? On prend pas deux minutes pour un exercice d'épaule à moins de faire un barbell press front assis à trois plaques. On s'entend-tu là? Si c'est pas ça, on se calme les bas. OK. Donc, le front 13 à 45 degrés est très simple. C'est pour créer une dynamique d'isolation dans le mouvement. En s'inclinant à 45 degrés, j'oblige le deltoïde frontal à provoquer lui-même l'abduction. Je ne lui donne aucune chance. Il y a deux manières de le faire. Vous pouvez le faire directement à partir de la cuisse ou chaque côté du corps. Je vais vous montrer les deux variations. Très content, cet exercice-là, je vous le pousse 100 000 à l'heure. Vous êtes chez vous à la maison, petit gym, 3, 4, 7 de paires d'haltères avec un petit banc, vous êtes capable de faire ça. OK? Je me place directement sur mon banc avec mes haltères, je m'assois. Je m'assure aussi d'avoir un endroit pour mettre mes pieds pour être relativement très stable. Quand je pars ma charge, OK, je la pars tout simplement avec la dynamique du corps. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par imbriquer le mouvement avec une dynamique de poussée. OK. Je me place directement en haut. OK. Deux manières de faire. La plus difficile étant celle-ci. Je descends les haltères sur mes jambes et je remonte vers en haut en élévation frontale. Je suis parfaitement appuyé et je ne peux pas tricher. OK? Je vous le dis, celui-là est très difficile à faire parce que vous n'avez aucune dynamique. Il peut servir de superset. Je peux faire ma première partie comme ça, puis ma deuxième partie en dynamique. Je commence sur les côtés, en prise marteau et dans un mouvement concerté, je pars de l'arrière, légèrement en dynamique sans avoir trop de projection arrière et projeter les haltères en avant en tournant. Je pars d'une prise en marteau pour finir avec une prise en pronation. Marteau, pronation. OK, on est parti, on y va. Quand on arrive en haut, stop, bloquer le mouvement. Stop, bloquer le mouvement. Stop pour provoquer la contraction musculaire et parler directement au système nerveux central pour lui indiquer que nous sommes en train de travailler un muscle que l'on veut cibler de façon vraiment plus aiguë. OK? Vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de tourner, vous le faites en marteau. Vous n'êtes pas à l'aise, vous le faites toujours avec vos mains comme ça. C'est parfait, c'est parfaitement personnel. Intéressant comme exercice. Ouh, excusez-moi, les gens qui ont des problèmes de dos, entre autres, donc c'est très intéressant pour vous, donc à ce moment-là, vous ne vous blessez pas. Moi, j'aime bien ça parce qu'on ne peut pas tricher, donc déjà là, ça va? Déjà là, en partant, c'est vraiment relativement intéressant et c'est quelque chose qui est à la portée de tous et facile à faire. Alors, je vous reviens après la pause. Alright! Alors bonjour tout le monde et c'est la fin de la capsule pour aujourd'hui. Je vous revois la semaine prochaine pour 4 à 5 nouveaux types d'exercices que vous pouvez faire chez vous. Alors, nous sommes live au 3055 Boulevard Amel, la 414, le Gym Olymp, le seul vrai gym qui existe directement à Québec pour vous servir dans le privé. Alors, pour nous rejoindre, faites le 418, le 204-8246, le 204-8246, faites-le un à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre écœurement à vous faire mentir reflète un malaise sociétal comportant de plus en plus de délire. Oh boy! Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!